Bref, ça urge. Waouh! Ah oui! Quelques minutes plus tard. Eh bien, nous ne verrons pas beaucoup du château puisque nous allons à fond. Poussez-vous, bande de manants! Par contre, pour monter au château, c'est trop swag. J'aime beaucoup l'entrée de votre château, madame. Hein. C'est là, juste au coin. Au coin, quel coin? Quel coin? Aller à l'endroit où se déroule le jeu. Mais où? Les participants doivent trouver une corne de licorne, un poisson doré et un œuf de phénix. Quelle que ces histoires? Avec ça, ils pourront déduire où se cache le lièvre Milton. Mais j'ai pas envie de faire le jeu. Vous pouvez aussi trouver ces objets. Nous n'avons point d'autre choix. Mais le temps presse, alors il va falloir enfreindre les règles. Ouais, fuck it. Wow, oh, vous avez une jolie vue, madame, d'ici, hein. Notamment sur le lac, wow. Il y a un espèce de petit château là-bas. Bref, on verra plus tard, faut sauver Milton. Ta gueule, garde. La musique est cool. Bonjour, je suis avec la princesse. Tout bien réfléchi par ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous montrer où se déroule la chasse, nous nous séparerons ensuite. J'ai des sens de sorceleur, je peux retrouver Milton en deux secondes. Vous récupérez la corne de c'est gigantesque pendant que je trouve l'œuf de phénix. Ce sera plus rapide. Un poisson doré? Pour le poisson doré, il nous faudra une canne ou un filet. Voyons, Gérald, ce n'est point un vrai poisson. Mais il est où? Dites-moi où il est, bordel. Où est l'organisateur des jeux? Voyez-vous ces lumières? Les chasseurs tentent d'attraper le poisson depuis leur barque. Vous n'avez qu'à plonger et le trouver. Ouais, ce sera plus simple. La licorne, je l'attrape comment? Elle est très capricieuse, mais vous parviendrez sûrement à gagner sa confiance. Ça n'existe plus, les licornes, pas dans ce monde. Regardez. Ah oui? Mais, oui, non, c'est pas une vraie licorne. Le poisson doré et la corne renferment des objets ou des indices pour trouver Milton. Mais c'est Fort Boyard! Vous aurez les deux, venez me rejoindre parmi ceux qui chassent l'œuf de phénix. C'est où? Tout est clair? Alors allons-y. Mais oui, ne perdons pas de temps! Par où? Moi je vais plus vite, hein. Salut! Fiorano. Ta gueule! Je vous encourage. Du calme! Pas de bagarre! Bon, on va prendre une petite potion pour remettre notre vie. Ok, donc on est dans les jardins du palais. Donc déjà, il faut trouver la licorne. La licorne, c'est un cheval. Le signe Axie devrait la calmer. Bon, c'est pas un vrai cheval en vrai, mais. Bah, si c'est pas une vraie licorne. Ouais, vraie licorne. Pardon, pardon, poussez-vous. What the fuck? Non, sérieux, what the fuck? Avec une pomme ou des bonbons? Nous ne serions point dans ce pétrin, chère sœur, si tu étais toujours vierge. Waouh! L'attaque. Veux-tu vraiment reprendre cette conversation? Ici et maintenant? Mais. Vous allez effrayer la bête. Essayons avec les bonbons. Bonjour. Je vais devoir gâcher votre plaisir, désolé. Poussez-vous. Qui est-ce? Une vierge. Salut. T'es moche comme tout. Eh merde. Il mange une baguette entière, le mec, vous avez vu ça? C'est tout petit détail. Attendez, regardez ça. Non, il est où? J'ai vu un mec bouffer une baguette. Regardez ça. Le mec bouffe sa baguette, là. Blum, blum, blum. Blum, blum, blum. Bref, j'aime bien une petite ambiance à la française aussi, quand même, à tout ça. Je l'avais presque. Non, non. Trouver une friandise. Oh, merde. Une friandise, vite. Une friandise. Du pain, bordel. Bonjour. Nous devrions d'abord essayer d'attraper le poisson. Licorne, arc-en-ciel, petite fille. Des bonbons, peut-être. Non, mais on va tout prendre. Je prends le tout. C'est un scandale. Ta gueule. Une licorne ne va pas être tentée par du gibier froid. Non, mais je vais pas prendre des bonbons pour appâter une putain de licorne. Une pomme, une simple pomme. Une pomme croquante. Ça devrait lui plaire, comme à tous les chevaux. Mais oui, c'est un cheval, c'est tout, quoi. Bon, vite.
Non mais attends, range cette pomme. Elle est où la licorne? Elle est là. Hé, la licorne! Il y a un pont là, what the fuck. Regarde, petit, regarde. Une pomme. Miam miam. Miam miam, une pomme, c'est d'un cheval. Mais pas de licorne. Oui, viens manger la pomme. Oui, viens, je prends ça. Alors, Fort Boyard, non, on n'a pas d'indice encore, ok. Ces jardins sont immenses, il me faudrait un cheval. Allez. Fuck it. Pardon, laissez passer, c'est joli. Pardon, laissez passer. Surprenant, je sais. Alors, c'est en bas. Plus vite. Plus vite, petite licorne, what the fuck. Je vous laisse ma licorne. Bon bah moi j'y vais, hein, salut. Non, vous n'avez rien vu. Non, faites pas pareil. Mais machin. Merde, c'est cru. Merde, mais c'est la kermesse en fait. Elle brille là, ça brille. Je vois. Ça brille, c'est là. Regardez comme elle brille. Petits effets de lumière là. Quoi? Non? Bah non. Hey, attendez! Arrêtez! C'est important! C'est important, s'il vous plaît! C'est mon lot de kermesse! Roi Cormoran, acceptez cette offrande que nous vous apportons. Prenez pitié de nous et dévoilez-nous ses secrets. Qu'est-ce type? Tandis que la lune suit son chemin céleste, sur mon domaine, j'attends ce moment de grâce. Il parle comme Le Pen. Une âme de bonne ou mauvaise réputation. Pardon. Apportera un cadeau, digne tribut. Hop, c'est à moi, merci. Connard. Une clé. Merci. Qu'est-ce que Steve? Pourquoi il y a Le Pen père? Espèce de malotru. Malotru. Fermez-la, bande de gredins. C'est pas à vous ça. C'était très drôle. Bon, allez, revenons. Alors, je suis un peu... je me pose plein de questions sur l'histoire parce que ça a l'air de se résoudre déjà, alors qu'en vrai, le DLC, il y a 15 heures, il me semble. Donc, ça peut pas se résoudre tout de suite maintenant. Il va se passer plein d'autres trucs. Vous avez gardé ma licorne ou pas? Non? Si, ah la voilà! Une œuvre abstraite. Licorne, peut-être qu'elle te rappelle. Ok, bon, retrouvons la duchesse avec son histoire de d'œuf de phoenix. Ils sont faciles ces jeux! Quand tu triches. Nous gardons encore les cicatrices. Son jeu est jardin, on visitera tout ça quand on sera plus calme et qu'il n'y aura pas besoin de sauver la vie de Milton. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a baffé quelqu'un. Je vous en prie, votre majesté. Non, n'y comptez point. Nous agissons par nécessité. Nous vous expliquerons tout plus tard. Donnez-moi l'œuf de phoenix. Mais c'est contraire aux règles. C'est moi qui les fixe. C'est moi la chef. Gérald, enfin. Une personne appréciée, encore plus grâce à ça. J'ai une clé et un indice. J'en ai un autre, montrez-moi le vôtre. Allez. Genre fuck it. Qui a écrit ces âneries? De la souris affamée, je prends l'initiale et me termine comme un sombre endroit où l'on se terre. La souris affamée, je prends l'initiale et se termine. C'est une grotte, le garde-manger du palais, c'est une serre en exigu. Je n'ai aucune idée. La souris affamée, je prends l'initiale. Garde, grotte, exigu. Un endroit où on se terre, un terrier. Bon, ça doit être un endroit exigu quand même. Serait-ce un endroit exigu et inconfortable?
parce que cela parle d'un endroit pour se terrer. Non, c'est un faux indice pour nous égarer. Je sais pas, je propose. Écoutez, si nous prenons l'initiale de souris, nous avons un S. Mais pourquoi affamé ? Ensuite, un endroit où l'on se terre. Mais bien sûr, la terre. On obtient donc serre. Oh, très astucieux. Je crois que ça colle. Mais non. Il y a plusieurs serres dans les jardins, mais une seule qu'on peut verrouiller. Et la clé ressemble à celle qu'on a trouvée. Ah, d'accord. Bah là, ça me semble logique, mais... D'accord. Mais du coup, moi, mon indice servait à rien. Enfin, j'ai rien compris. Mais pourquoi souris affamé et garde-manger ? Pourquoi serre ? Je comprends pas. Attendez ici. Je m'en occupe. Écoutez, vous savez vous battre à l'épée ? Non. Il me faut une nouvelle coupe. Qu'est-ce que c'est que ça ? What the fuck is that ? What the... Wow ! Hein ? Que se passe-t-il ? Pardon ! Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Qu'était-ce donc ? Merde ! Qu'est-ce que c'est que ça ? À moi ! Ah ! Hop ! Non. Ok, pourquoi pas. Merde ! Allez, Assassin's Creed un peu ! Saloperie de caisse, pousse-toi ! Allez, on y va, rentre là-dedans, Gérald, bourrine-le ! C'est le facteur ! Me voici. Bonjour. Ce ne serait pas à vous, par hasard. Si. Mais gardez-la donc. J'en ai une nouvelle. Comment ça ? Je ne vous connais pas. Et je ne vous ai fait aucun mal. Pourtant, vous avez massacré une Brooks qui m'était chère. Et me voilà traqué. Pourquoi ? Une Brooks qui vous était chère ? Vous avez tué 4 innocents, au bas mot. Et vous ? Combien d'innocents avez-vous, Oxy ? On parle pas de moi. Je ne suis pas là pour parler de moi. Et c'est pourtant ce que nous faisons. Ainsi donc, on vous envoie après moi. Qui sont-ils ? Comment ça, il ? Je travaille pour la Duchesse, vous massacrez ces sujets. Au cas où vous l'aurez pas remarqué. Est-ce vraiment aussi simple ? Je ne sais pas. Oups. Mais le jeu se met en pause, non ? Je vous dirais bien d'annoncer à la Duchesse qu'il ne me reste plus qu'une cible, mais... Une seule cible ? Vous n'en aurez pas l'occasion. Ok, qui est ce machin ? Wow ! Tu es... impressionnant. Bête de Bokner. Non. Ouais. Merde. Je commence à voir tes patterns un petit peu, hein. Aïe. Merde. J'ai pas encore les fesses. C'est quoi ces griffes que t'as ? Qu'es-tu, un espèce de vampire supérieur ? Une je ne sais quoi ? Mais t'as l'air très énervé. Ça se voit, en tout cas. J'essaie de te frapper au cas où t'aurais pas remarqué. Est-ce qu'on peut parer ce machin ? Oui. On peut même le repousser. Juste me méfier de ces espèces de super attaques qui se fait. Il se soigne. D'accord, donc quand il m'attaque par derrière, ça sert à rien d'esquiver. Ah, je me régénère de la vie donc quand j'ai atteint un maximum d'adrénaline. Très intéressant. Non.
Qu'es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Enfin non, qu'est-ce que tu veux, j'ai compris. Non, pas cette génération. Super attaque, je connais. Hein. Enfin, je commence à connaître. Merde, faut pas que je fasse ça quand il est dans mon dos. Faut que j'esquive. Merde, putain, je sais jamais quand c'est qu'il va m'attaquer dans le dos ou pas. Non. Mais j'aimerais bien te parer en fait. Oh, putain, j'ai arrêté une attaque qui m'aurait été très très dangereuse. Non. Merde. Merde. Il aime pas ça visiblement. Ça, je préfère pas me le prendre. Ah merde, je suis en train de regarder mes touches, ouais. Bon, ça se passe pas top ici, meuf. Je transpire un peu de partout. Bon, je suis pas le meilleur, je suis vraiment devenu mauvais à jouer en fait, tout simplement. Attendez, mais il me semblait quoi là, j'avais ça au cas où. Je peux être tranquille 2 secondes, connard. Hop, il arrive dans mon dos. Hop, il arrive dans mon dos. Critique. Le feu! Oh, il a pas aimé ça! Oh, il a pas aimé ça! Allez! Très rapide. Un peu partout. Ouais. Alors, on fuit, on attaque. J'ai hâte de le savoir. Tu étais censé rester songé. Je te cède dans l'embarras. Je viens t'aider. Quoi? Je n'ai pas besoin d'aide. Qu'est-ce que... Non. C'est mon ami. Oh, il l'a dit. Je sais qui t'es, putain. Toi, je sais qui t'es. Bien le bonjour, Gérald. C'est Régis. Régis, je... Oh, tout va bien? Oh mon dieu! Oui, tout c'est est Régis bien. Ce type de plaie se referme très vite chez les vampires. Des lustres que nous nous sommes perdus de vue, mon ami. À l'échelle humaine, du moins. Comment t'es vivant? Comment est-ce possible? La dernière fois, je n'étais plus qu'une bulle éclatée après avoir fondu d'assez spectaculaire façon dans la colonne d'un certain château. Oh mon dieu, c'est trop cool! Pas totalement certes, quoique si j'étais un simple humain, ma forme actuelle me ferait sûrement passer pour un demi-dieu. Je suis désolé. Tout était de ma faute. Je n'ai jamais eu l'occasion de m'en excuser. Je comprends plus rien, mais la Régis! Il y a prescription, Gérald. Rien ne m'obligeait à prendre part à cette équipée. On ne m'a pas forcé la main. Oh! Oh, c'est Régis. C'est magnifique. Alors, oh là 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 là, mais c'est tellement parfait, c'est Régis. Alors, ça va être très très long. Bon, maintenant qu'il est dans le DLC, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler. Bon, c'était une rumeur. Je l'ai pas vu venir pendant cette séquence, mais... Donc, j'ai déjà parlé maintes fois de Régis durant le DLC, durant le The Witcher 3, parce que je vous parlais de l'histoire des livres. Donc, rappelez-vous, et j'en ai même parlé au début de ce DLC. Rappelez-vous, Geralt monte une équipe dans un but précis qui est d'aller sauver Ciri. Cette équipe, au début, est composée de Jasquet, puis de Milva, une archère. Il se trimballe un petit peu en étant suivi par Kaïr, qui rejoindra l'équipe beaucoup plus tard, qui est donc le Nilfgaardien qui est tombé amoureux de Ciri. Enfin, ben, on va pas trop parler de Kaïr, je pense pas que Kaïr reviendra, lui, par contre. À un moment, il rencontre un vieil apothicaire, alors qu'ils sont avec des nains, dont Yarpen Zigrin et tout ça. Il rencontre un vieil apothicaire qui s'avère être Régis,
qui se présente comme un homme un petit peu âgé, apothicaire, qui vit un peu seul, alors qu'il y aurait un vampire dans la région et tout. Régis est très sympathique, il accueille Gérald, tous les amis et tout, il décide de faire un bout de chemin avec eux. Mais juste au début, quoi, il va pas aider Ciri. Puis très vite, pour sauver une jeune fille qui va être cramée sur le bûcher, alors que les vampires sont insensibles au feu, en théorie, il sauve cette jeune fille, montrant à Gérald et à ceux qui connaissent ce qu'est un vampire, qu'il est un vampire, pas sous la forme telle qu'on vient d'affronter certains vampires, hein, sous sa forme humaine. Après ça, il s'engueule avec Gérald, puisque Gérald, tu m'as trahi, t'es un vampire, tu te fous bien mal à la gueule. À ce moment-là, Gérald a encore une vision un petit peu biaisée des monstres. Enfin, il est pas très pote avec les vampires, Gérald. Et finalement, Régis s'avérera, durant plusieurs livres, jusqu'à la fin du 7, être un excellent allié, un excellent ami, un homme avec de très bons conseils, un sage, vraiment, digne d'un sage. Il connaît beaucoup de choses et donc c'est un vampire, c'est lui qui donne toutes les informations sur les vampires. Par exemple, toutes les informations sur les vampires que je vous ai données, comme quoi ils craignent pas l'ail, ils craignent pas l'argent. C'est Régis qui les donne alors qu'il a une fourchette en argent dans une main et l'ail dans une autre et qu'il est en train d'expliquer ça à un festin à Toussaint que c'est le meilleur moyen de tuer des vampires. Enfin, le mec est magnifique. Il a un âne qui s'appelle Dracul d'ailleurs. Pour faire une blague, blague que personne ne comprend parce que Dracula n'existe pas dans le monde de jeux de tir à ce moment-là. Peut-être que si, vu ce qu'on a affronté, on ne sait pas trop. Bref, c'est un type génial et il mourra finalement avec la plupart de la compagnie en attaquant le château où est enfermé Ciri. Il va essayer, il sauve Ciri d'une mort un peu certaine. Ensuite, il essaye de tuer le grand méchant des livres, Vilsegorts. Pour aider Gérald, Vilsegorts le fait fondre contre une colonne, il le bourrine au lance-flammes contre une colonne, le tuant dans les livres, sachant que bien sûr si on prend que l'univers des livres, Régis à la fin meurt avec tous les autres, même si c'est un vampire très puissant qui ne craint pas grand-chose, comme vous venez de le voir à l'instant. Donc Régis est considéré comme mort à la fin des livres, c'est une des morts qui m'a fait le plus de mal, enfin toute l'équipe de Gérald, ça m'a fait chier de les voir crever, mais Régis c'était vraiment un des personnages les plus cool du monde, et donc le voir crever m'a fait très très mal au cœur. Et donc, bah, visiblement, comme il vient d'expliquer, c'est pas très très c'est pas très très grave, il a juste, il a juste pris chaud, et il s'en est remis. D'ailleurs, on va pouvoir lui poser la question, comment avez-vous régénéré? Et il est bien vivant. Et ça, je suis tellement heureux, quoi, c'est vraiment... Bon, la surprise est un peu abaissée, parce que, regardez, il a même de l'ail sur lui, ça montre à quel point ce mec est une blague. Mais bon, voilà. Régis, je suis très content de le revoir, bordel. Ça fait super plaisir. Bref, au niveau du scénario, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, visiblement, on vient d'affronter un vampire. Il avait dit à l'autre qu'il fallait attendre qu'il régénère. Je crois qu'on est tombé dans une espèce de guerre de vampires. La Brooke s'était très attachée au... Je sais pas qu'est-ce qu'on affronte. On affronte un espèce de renégat vampire ou je ne sais quoi. Régis le connaît. Visiblement, il va pouvoir nous donner pas mal d'informations. Bon, déjà, Régis, comment... Cette régénération miraculeuse, à quoi la devez-vous? J'ai été aidé par celui que vous traquez. Ah. Lui? Comment? Et qu'avez-vous fait toutes ces années? Le lieu et l'heure sont mal choisis. Nous aurons certainement tout le temps d'en discuter à notre aise. Ah oui, j'ai hâte. Pour l'instant, occupons-nous plutôt de ce qui nous attire ici. Oui, hein, Régis? Votre présence ici ne doit rien au hasard. Je ne comprends plus rien. Heureux de voir que vos facultés de déduction n'ont pas faibli d'un pouce. Et allez, on y va. Je suis ici pour Detlaff. C'est con, il se tutoie dans les livres. Pétré dans quelque affaire sérieuse. Detlaff. Voilà donc son nom. C'est votre ami? Visiblement, quelque oui. Quelque chose comme ça, même si Detlaff est, comment dire, plus bestial que moi. Mais pas d'inquiétude, j'œuvre à le domestiquer. Eh bien, je ne vous tire pas mon chapeau. Il a tué un chevalier depuis mon arrivée. Du coup, il l'a tué, l'autre. Et au moins trois auparavant. Fuck. Je gage qu'il a eu ses raisons. Quoi? Comprenez que Detlaff n'est pas un pauvre dégénéré qui tue pour le sport, pour étancher sa soif ou pour dissiper une idée noire. Ok, alors d'autres détails que je vous apporte sur Régis. Donc déjà, normalement, il se tutoie dans les livres, donc ça gêne un petit peu qu'il parle comme ça. Mais voilà, Régis, au bout d'un moment, parle des conditions de vampire et il abaisse tous les clichés de vampires que les gens ont dans le monde de The Witcher, sachant que c'est des clichés, en fait, que nous, on a dans les mondes médiévaux fantastiques de vampires. C'est-à-dire, les vampires, non, ne craignent pas le soleil. Les vampires sont insensibles au feu, à l'ail, enfin pas insensibles, mais enfin, l'homme est insensible à l'ail en général, donc les vampires aussi. L'argent pareil, même si ça tue les monstres, donc c'est un bon métal pour les attaquer.
Et aussi les vampires, par exemple, quand ils mordent des gens, ils ne les transforment pas en vampires. Sinon, il y aurait une véritable invasion de vampires et ce n'est pas le cas. Aussi, les vampires ne boivent pas obligatoirement du sang. Régis, par exemple, quand il rencontre Gérald et tout, s'est habitué à ne pas le faire. Par contre, le sang est une drogue pour eux. C'est-à-dire, c'est une drogue. C'est tout simplement ça. En gros, les vampires ne se nourrissent pas de sang, mais ils peuvent le faire. Au départ, ils le faisaient quand ils avaient vraiment une nature bestiale de vrais monstres, mais maintenant ils sont un peu éduqués, si on veut. Et donc, ils se nourrissent quasiment jamais de sang. Régis le fait une fois dans les livres pour tuer un mec, en disant que ça fait quand même un peu du bien, mais c'est tout. Normalement, c'est pas des meurtriers assoiffés de sang comme on peut le voir dans certains univers de fiction. Bref. Bon, je veux bien connaître les raisons du Detlaff. Et quelles sont ces raisons, selon vous ? Qui n'est donc pas voilà Dracula, dommage. Précisément ce que je tiens à mais Régis ! Je pourrais alors le convaincre qu'il a mal agi. Comment ça? Il va falloir m'expliquer, Régis. Je comprends rien. Vous avez vraiment foi en lui? En dépit des apparences, il vous ressemble assez. Detlaff possède lui aussi un cœur noble, mais des circonstances extraordinaires le poussent parfois à commettre l'indicible. Vous rappelez-vous l'an 964? C'était il y a 3 siècles. Ouais, t'étais né, Régis, on sait. Rive, Lyrie et Spala étaient en proie à la panique. On trouvait ça et là des corps de femmes et d'enfants massacrés, déchiquetés. L'ogre de Lyrie. J'ai lu un compte-rendu. Près de 200 victimes, et tombé sous les coups d'un banal braconnier armé d'une dague bénie par un prophète. Ça doit pas être ça, tombé sous les coups de Detlaff. Après avoir trouvé le braconnier endormi près de ses pièges, il a abandonné la dépouille du monstre à ses pieds. Une légende était née. Pourquoi il l'a tué ? Un vampire qui aide les humains. Celui-ci devait avoir ses raisons de tuer la bête. Détrompez-vous. Il l'a tué pour une seule raison. Le monstre s'en était pris à un garçon qui avait autrefois offert une pomme à Detlaff de façon désintéressée. Quel beau geste. Oh là, il est dans la symbolique, ce monsieur. Vous n'avez pas le monopole de l'altruisme, mon ami. Il est dans... Vilsfort avait fondu mon corps. Voilà, Vilsfort. Detlaff a trouvé ce qu'il en restait. Notre code lui laissait 2 options. Me laisser tel quel, ou s'occuper de moi, soigner ma dépouille. Il a choisi de me régénérer au prix de son propre sang. Savez-vous ce que cela représente pour un vampire? L'abnégation que cela nécessite? Probablement la même chose que pour un humain. Vous lui devez la vie. C'est un peu ça, oui. Et plus encore... Son geste a fait de nous des frères de sang, un lien plus solide que ce qu'un humain peut concevoir. Blood and Vine. Pour laquelle je sais qu'il y a mal d'œil. Merde, Régis. J'ai peur vous de t'avoir dans l'autre eu camp. Une empathie hors norme. À chaque vampire, son pouvoir spécifique, qu'il cultive au fil des siècles, ce qui nous rend extrêmement difficile à catégoriser. L'atout de Detlaff, c'est son instinct de meute, sa propension tribale. Comme la Brooks. Il goûte la compagnie des vampires inférieurs et fuit celle des humains. S'il se promène parmi vous et tue sans se cacher, c'est qu'il doit être en colère. Et pas qu'un peu. J'aurais peut-être pas dû tuer sa copine. Pourquoi il sera en colère? Selon vous, qu'est-ce qui est susceptible de l'avoir mis dans cet état? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous expliquer? Detlaff ne comprend rien aux humains. Leur monde, leurs règles, leurs conventions. C'est un grand naïf. Vos jeux lui échappent totalement. Il ne connaît pas le mensonge, la tromperie. On a dû se foutre de sa gueule, là. Un inadapté, en somme, qui laisse éclater sa rage. Sauf que c'est un vampire. L'inadaptation peut conduire à des débordements. Est-ce le cas actuellement? Difficile à dire, mais je compte le découvrir. Ok, il faut que vous m'aidiez, Régis, comme toujours. Il faut le retrouver. Avant qu'il se fâche encore plus et que tout Beauclair baigne dans le et sang. Et tutoyez-vous ! Nous revoici à faire cause commune, comme au bon vieux temps. Ah, pas oui. Vraiment. Parce que quand je l'aurai retrouvé... Il va falloir qu'il s'explique. Je sais qu'un contrat pèse sur lui. Sauf erreur, votre mission consiste bien à empêcher la bête de tuer, pas nécessairement à l'oxyre. On peut peut-être c'est entendre. C'est l'idée générale, oui. Trouvons-le. Dans l'intervalle, j'aurais su vous convaincre que Detlaff n'a rien d'un monde. D'accord. Mais pour l'heure, il a toutes les preuves contre lui. Vous avez entendu? La meute. Les chevaliers ont dû suivre ma trace. Va falloir partir, Régis. Il vaut qu'il ne me trouve pas ici. Bah, quoi que... J'ai pris mes quartiers au maire Lachaise. Rendez-vous là-bas. Mais plus tard.
Régis, les gens savent pas que t'es un vampire. Sorceleur, nous avons chevauché aussi vite que possible. Hélas, je crains que nous n'arrivions trop tard. Où est la bête ? Pouicam. L'enquête progresse. J'étais sur le point d'inspecter les parages. Retenez vos hommes avant qu'ils piétinent tout. Messieurs, laissons le sorceleur accomplir sa besogne. Le meurtre de Milton ne saurait rester. Oh non, Milton est mort. Fuck, il était sympa. Ils avaient fait un truc, ces quatre cavaliers. Bon, Régis ! Quelle joie ! Retrouver Régis, oh c'est beau ! Régis est de retour. Bon, allez, on va mettre notre petit point de compétence. Il faudrait peut-être qu'on se trouve des mutagènes, ces quatre, vous pensez pas ? Merde, on a mis tous nos points là. Ouais. Y a pas encore des trucs, on peut encore mettre des points ? Ouais, mais la persuasion c'est un peu trop pétos. Ouais, il va falloir mettre des points dans les nouvelles compétences. Des compétences peut-être plus... Attaque tournoyante qui affecte toutes vos ennemis proches. Oui. Ignore la défense de l'ennemi augmente 10% de ses chances de coup critique. Oui. Ça peut être rigolo. J'ai bien envie de le tester. On a... Pour lancer une attaque rapide spéciale, maintenez croix enfoncée. Enfin... Pas croix, clic. Ok. Bah, tonton, mettons-le à la place de. Alors, peut-être pas les flèches. Attaque rapide, inflige plus de dégâts. Peut-être ça. Merde. Peut-être ça. On peut voir un peu ce que c'est ça. Non, mais non. Sort ton épée, genre. Mais non, mais. Mais il faut laisser enfoncer, non? Je laisse enfoncer. Ça ne marche pas. Ah si, d'accord, oui, ça consomme des points d'adrénaline. Attends, j'essaie de gagner de l'adrénaline. Ah oui, ok, d'accord. Bon, retrouvez Régis. Alors, ce qu'on va faire... vous savez quoi, j'ai décidé de faire un plus long tournage. Il reste une petite heure à ce tournage. Je vais déjà vérifier qu'il me reste de la place pour le faire. Et je pense qu'au niveau de l'histoire principale, on est pas mal. Là, je suis très content de ce qui s'est passé au niveau de l'histoire principale. Je pense qu'on va pas aller plus loin. Bon, en tout cas, du coup, pour parler de l'histoire principale jusqu'ici, super cool. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le méchant, la Letlaf. On va voir ce que ça donne. J'aime bien l'univers de Toussaint, l'ambiance, tout ça. Enfin, tout est très très cool. Y'a Régis est revenu, bordel. Mais alors là, vous allez m'en entendre parler pendant tous les putains d'épisodes de Régis. Il est génial, ce type. Je donne pas trop d'infos avec lui au cas où il y ait plein de sous-entendus ou de trucs qui reviennent. Pour éviter de me répéter, mais bon, on aura largement l'occasion de parler avec lui. J'ai un peu peur qu'il soit dans le camp de Letlaf et que j'ai peur envie d'affronter Régis. Bref, allez, on va faire un petit peu de secondaire à partir de maintenant. Je vais juste couper le tournage, vérifier que ça tourne bien et regarder combien de temps il me reste en termes de mémoire. Et puis on va se mettre un petit peu sur du secondaire, soit une demi-heure, soit une heure. Bon, on va voir.